Les militantes, militants et sympathisants du parti Merci se sont fortement mobilisés pour réserver un accueil digne des filles et fils de la ville de Melfi. Le vice-président de cette formation politique alliée au mouvement patriotique du salut MPS, Ahmad Adanoa Doudou, et la délégation qui l'accompagne ont fait le tour du chef-lieu du département de Garada. Point de chute, la place publique de cette ville. Les membres de cette formation politique ont fait le déplacement de Melfi à l'effet de sensibiliser ceux des Tchadiens et Tchadiennes qui, depuis le dernier recensement, n'avait pas atteint la majorité électorale. Les représentants des jeunes et des femmes du parti Merci de la ville de Melfi se sont relayés pour inviter les jeunes non inscrits sur le fichier électoral de 2015 à sortir massivement se faire enrôler. À cette occasion, le vice-président du parti Merci, Ahmad Adanoa Doudou, a tenu à exprimer toute sa reconnaissance au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, pour avoir facilité la construction du pont de Garada, contribuant ainsi au désenclavement de la ville de Melfi. Le parti Merci remercie très sincèrement le maréchal du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno, pour avoir réalisé la construction du pont de Garada. Nous sollicitons au maréchal du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno, de faire davantage pour la population de Melfi. Pour le vice-président du parti Merci, la mise à jour du fichier général biométrique concerne la population cible de l'ensemble du territoire national. Il appartient donc à chaque acteur politique de bien expliquer à ses militants l'importance de cette opération de révision de ces fichiers, conclut Ahmad Adanoa Doudou.